Sa dépouille a été récupérée en Côte d'Ivoire dans l'avion Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui, il est décoré et vous voyez, ce sont les deux héros, Kabila Lumumba. Et chez nous, on dit que Papa Wemba, c'est notre Lumumba culturel. C'est très douloureux parce que j'ai eu la chance de chanter dans son tout dernier album. Et ça reste comme un héritage, comme un cadeau, comme un dernier cadeau qu'il m'a laissé. Je ne sais pas pourquoi il a insisté pour que je chante cette chanson-là. Aujourd'hui, je le comprends. Il avait quelque chose certainement à nous dire. Je remercie Papa Wemba pour tout ce qu'il a donné à l'Afrique, au Congo, à nous, les artistes de toutes les générations. Comme on disait, Papa Wemba était quelqu'un qui savait mettre en valeur les autres, qui considérait les autres. Moi, je retiens de lui un homme qui m'a respecté, qui avait de l'affection pour moi, qui m'a vraiment encadré. J'ai perdu un grand frère, j'ai perdu un papa, j'ai perdu un artiste. Et c'est le bourgmestre. Et non à l'échelle mondiale.